Hello, salut à tous les amis, c'est Fenix Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme vous avez vu dans le titre, une nouvelle série sur Minecraft. Oui, je sais, encore une nouvelle série, je n'arrête pas de faire des nouvelles séries, je ne finis pas mes séries sur Minecraft. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors la série sur Maniacube sur le serveur, je l'ai stoppée, hein, donc j'avais fait une petite vidéo que j'avais supprimée après pour vous dire voilà que j'avais plus envie de filmer sur ce serveur parce que je m'ennuyais. Et parce que je disais, ouais, Minecraft pour moi c'est faire des usines, voilà, explorer un petit peu, faire l'exploration, faire des usines et tout. Bon, tout ce qui est construction de bâtiments et tout, ça me fait chier. Je ne sais pas construire, je ne sais pas build, donc c'est pas trop mon kiff. Donc je me suis dit, eh ben, on va se reconvertir sur autre chose, on va repartir de zéro encore et on va jouer à Minecraft, hein, bien sûr, et on va jouer à Minecraft modé, hein. Donc j'ai modé Minecraft, je vais essayer de vous afficher à l'écran toute la liste des modes que j'ai inclus dans cet épisode. Donc on va pas changer les modes, hein. Enfin si, on les changera peut-être au fur et à mesure des épisodes. Je vous incite d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous voulez avoir des modes dans la série, si vous voulez voir par exemple un certain mode que vous aimez, vous voulez voir dans la série, dites-le dans les commentaires le nom du mode, je ferai mon possible pour pouvoir l'installer s'il est disponible pour la version. Ensuite, je vais mettre aussi dans la description, hein, les listes des modes si ça ne s'affiche pas sur l'écran, enfin je l'afficherai mais je ne sais pas si j'aurai la place. Et bien on va faire une série là-dessus, on va essayer d'aller le plus loin possible, donc voilà. Donc j'ai mis une base de modes, il n'y en a pas énormément, il y en a 40. Vous essayez de me dire une liste de modes que je pourrais installer. Les modes que j'ai installés actuellement, c'est les modes avec lesquels je suis familiarisé, les modes que j'ai l'habitude à utiliser, excusez-moi. Donc voilà. Donc là, cette série-là, je pense que je vais pas l'arrêter maintenant, parce que voilà, j'aime bien tout ce qui est faire des usines. Donc là, voilà, c'est des modes qui viennent de Feed the Beast. Donc voilà, faire des usines. Là, avec Feed the Beast, on peut faire des usines avec tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça me plaît pas mal le concept. Donc voilà, on va essayer d'aller plus loin dans la série, hein, parce que le vanilla, en fait, je sais pas trop comment l'exploiter en vidéo, donc voilà. Donc on risque de voir les beaux paysages, parce qu'il y a un mode qui gère la génération de maps, donc là déjà, voilà, nous avons des biomes un peu différents. Bon, là, on dirait que c'est du vanilla, mais on va aller un peu plus loin. Déjà, derrière moi, on a l'impression des montagnes, c'est pas normal. Là, l'arbre rose, hein, là-bas, voilà, c'est pas normal. Donc, voilà. Il faudrait que j'augmente un peu la rendue de distance avec le serveur, parce que je suis sur un serveur local. Hein. Ça gère mieux. Donc, voilà. Hein. Donc, je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer tranquillou. Donc, nous sommes dans un 1.10. Oui, 1.7. Non, pas un 1.10. C'est un 1.7.10, parce que les modes sont pas tous disponibles en 1.8. Donc je suis obligé de la faire en 1.7.10. Mais ce n'est pas gênant. Hein. Donc des nouveaux blocs. De tout ce qui est nouveau. Voilà, si vous ne connaissez pas les modes. Et bien en gros, ce sont des ajouts à Minecraft. De tout et n'importe quoi. On peut modder ce qu'on veut. Et donc là, je vais rajouter plein de fonctionnalités super cool et sympa. Donc voilà, nous sommes en difficulté normale. Le mouton, du coup, tu vas commencer à décéder maintenant. Allez. Meurs. Ok, je vais tester un coup de lag. Non, ça ne lag pas, très bien. J'ai l'impression que là, ça... Donc là, j'ai eu un achievement, hein, les achievements spéciaux au mode. Hop, donc là, j'ai un inventaire supplémentaire ici, donc est-ce que je peux me guiver? Oui, donc c'est un souci. Il faut que... Non, ok. Il faut que j'enlève tout ça. Bon, écoutez, on va faire un... Je vais jeter ça, ça va des pop. Hop. Bon, il fait déjà nuit. Est-ce que j'ai déjà lancé le serveur avant, du coup, la map. Je vais remettre le jour, ce que je viens de commencer. Voilà. Donc, on va aller prendre du bois. Et tout ça. Voilà. Voilà. On va aller prendre du bois. On découvrira les modes au fur et à mesure des épisodes. Là, on va commencer un peu, voilà, avec les bases de Minecraft. J'aurais bien aimé avoir une troisième lane pour faire un lit. Tant pis. Oh, j'entends un mouton. On va aller le chercher. Donc voilà, on va découvrir les modes tranquillement, épisode par épisode. Là, pour le début, on va commencer tranquillou. On ira miner, voilà, comme on peut. Alors, j'ajouterai bien de la RAM au serveur, dis donc. Ouais, j'ajouterai bien de la RAM, parce que j'ai l'impression qu'il galère pas mal, là. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et on verra ça. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais aller tuer le mouton qui est là-bas. Viens ici, toi.
Voilà. Je vais tuer le mouton qui est là. Hop, et on va ajouter de la RAM. Ah, c'est vrai que maintenant on peut spam parce qu'on n'est pas en 1.10. Le PVP là 1.9, pas 1.10. Voilà, donc on a 3 lanes. Je vais redémarrer le serveur, je vais rajouter de la RAM parce que ça rame. Donc voilà, à tout de suite. Donc non, voilà, j'ai ajouté un peu de RAM au serveur, histoire que ça, voir si ça change un peu, on verra bien. Donc je viens de remarquer un truc, je viens de crafter une table de craft avec ce style de bois là, donc qui donne des bûches roses. Et regardez la gueule de la table de craft, c'est marrant. C'est sympa, ça prend la couleur du bois. C'est nice. Donc bien, je vais dire, on va... bon, ça rame toujours, je sais pas pourquoi. Je pense pas que c'est bien de la rame. Je pense qu'il y a un bug de mode, je ne sais pas. Je pense que on va pouvoir faire une petite ellipse, histoire que je prenne du bois tranquillou, que je commence à me trouver un petit endroit, genre où m'enterrer. Et puis on se retrouvera là-bas. Allez, à tout de suite. Ça suffit. Non, mais ça c'est un scandale. C'est un scandale, monsieur. Bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir s'installer par là-bas. D'ailleurs, cette petite, petite montagne, petite colline, petite tout ce que vous voulez. Allez hop, on va essayer de se faire une maison. Oh, putain, le creeper, bat-toi. Je paniquais, je. Oh putain, non, allez-vous-en. Oh putain, il y a des mobs partout. Ah, ils sont partout. Oh, ils sont partout. Ah, j'ai plus. Ok. Je suis dans la merde. Regardez. PLS situation. Tout simplement. Voilà. Bon, on est dans la merde. Bien, rebonjour tout le monde. Voilà. J'ai besoin de petits trous, donc je me suis improvisé un petit abri, ce qui fait nuit dehors, et je n'ai rien pour remonter ma vie. Donc voilà, je me suis fait un peu agresser, même beaucoup. Donc voilà, je vais creuser un petit espace ici, et puis je voulais vous présenter le mode. Comment il s'appelle? Attends, je regarde un peu. Big Ore, il me semble, un truc comme ça. Mais en gros, voilà, ça fait dans un seul, ça fait comme une fortune. En gros, dès que vous voyez ça, bah, c'est-à-dire qu'il va y en avoir plusieurs. Qui m'ont drop. Donc voilà. Donc je vais essayer de me mettre bien et puis on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc ici on mettra une vulgaire porte. Donc voilà. On va aller faire cuire la bouffe. Hop. Cloque. Donc ouais, voilà. Donc j'espère que celle-là je vais pas l'abandonner cette série parce que j'en ai abandonné quand même pas mal. Sur Minecraft en tout cas. Donc celle-là je vais essayer de la faire au max. Non, c'est l'inverse, Phoenix. Voilà. Ouais. Alors, du coup. Oui, donc on a vu les arbres géants là. Non, mais c'est n'importe quoi ça. C'est ouf. Complètement dingue. Ouais, donc les arbres et tout. Là, on commence à voir un peu la génération sympa. Sympathique. J'aime bien le décor en tout. Je vais me faire une porte. Une porte pour me protéger. Bon, j'ai des frises. Je pense que je vais redémarrer mon jeu bientôt. Parce que j'ai des frises 4, 8. C'est pas ça, c'est un four, c'est une table de craft que je veux. Voilà, je vais faire une porte, tranquillou. Putain, mais what? Putain, mais la porte bien. Oh putain. Ok, donc ce bois, ça va être le bois poubelle, hein. Je vous le dis tout de suite, je ne fais aucune déco avec ce bois. Putain, vache. Si t'aimes le rose, tu peux faire une maison avec ça. Ça peut être cool. L'eucalyptus, ok. Ils ont pété un câble les créateurs du mode. Bon, voilà. Donc on va faire une ellipse. Je vais aller chercher des ressources, des minerais, tout ça. Et puis on va se retrouver ici. Donc eh bien, rebonjour tout le monde. Je viens de me faire exploser par un creeper, mais j'ai préféré mettre la commande pour garder son stuff quand on meurt, parce que c'est vraiment galère quand on meurt et tout, on perd le stuff. Je préfère jouer en mode safe. Donc voilà. Du coup, on est revenu miner, donc j'ai fait deux allers-retours, on va dire. Donc là, j'ai laissé mon stuff de minage actuel, et là, c'est le stuff qu'on a miné, que j'ai miné avant de faire l'aller-retour. Donc les têtes de squelettes, hein, c'est normal, hein, c'est quand on bute des squelettes, de temps en temps, ça drop les têtes. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, voilà. C'est peut-être une utilisation si on fait U, tiens, pour voir. Parce que si on fait U sur une tête, ça, on peut avoir l'utilisation de l'item en fait. Donc là, en fait, oui.
Il y a des crafts à faire avec. Bon. Looting 1, enchanteur. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça peut être pas mal les têtes de squelettes. J'ai ramené ça aussi. Regardez, c'est marrant ça. Les petits champignons là. Attendez, on va enlever la torche. Hop, on va aller enlever la lumière ici. J'ai plus de pioche par contre. Donc, faut que je m'en recrafte une. Regardez. Hop, ça fait de la lumière. Voilà. Voilà, je suis content de ça. Donc j'ai ramassé ces petits champignons, on va pouvoir voir un peu ce qu'on pourra faire avec. On peut faire de la soupe avec si on veut. Mais voilà, je pense que ça va vite partir à la poubelle. Mais bon, on verra. Voilà, j'ai ramené plein de minerais, surtout de l'uranium. L'uranium, c'est hyper rare. Donc voilà, 8 diamants, plein de fer, un peu d'or, de la redstone, du charbon, du lapis, du lead. Bon, ça, on s'en fout, de la cobble et tout machin. Voilà, bon. On aura de quoi faire pour commencer la survie avec les machines. Hop. Le flint aussi est très important. Donc voilà, je vais faire un deuxième coffre peut-être. Hop, je vais prendre un peu de bois. Je vais en prendre encore la moitié. 5, on va prendre 4, c'est mieux. Histoire que ça fasse un nombre pair. Allez, vas-y, hop, clac. Donc bon, voilà. Ah oui, il me faut une pioche parce que je pourrais pas te poser. J'aimerais faire une pioche en fer. Oh. Je vais me faire deux pioches en fer, tiens. Je vais me faire du bois, des sticks. Est-ce que j'en ai pas déjà des sticks? Non, je n'ai pas de sticks. Non, j'en ai pas. Très bien. Hop, tac, 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 touc. Oui, il faut peut-être le faire fondre d'abord. Hop. Un charbon, ça fait cuire 7, donc c'est bon. Hop, qu'est-ce que c'est pour monter? Alors attendez, je reviens. Donc voilà, excusez-moi le téléphone qui sonnait. Donc j'étais en train de faire une pioche tranquillou. Donc je disais quoi, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Mais ouais, du coup, là, quand vous allez miner avec ces mods, vous trouvez mais des minerais mais partout. Absolument partout. C'est juste incroyable. J'ai commencé à miner, j'ai dû miner peut-être aller bien 1h30, 2h. Et voilà, j'arrêtais pas. Les galeries, elles se continuaient tout le temps. C'était vraiment cool. Est-ce qu'il n'y a pas de la bouffe là-dedans? Est-ce que j'ai plus de bouffe? Non. Donc bon, voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pas tout de suite toucher aux machines. Putain, mais la porte de ouf, quoi. On va plus s'attarder à aller grimper là-haut, là. J'ai envie d'aller grimper là-haut pour voir ce qu'il y a. Ça se trouve, il y a un boss. Ça se trouve, il y a un boss là-haut, on va se faire ken. Mais ouais, je vais aller grimper là-haut, essayer de faire une petite maison sympa. Ouais, mais le problème c'est que comment je fais pour redescendre après? Il y a peut-être une entrée en bas de l'arbre, tiens, on va aller voir. On va aller voir. Faut que je fasse gaffe, il y a une faille par là, il me semble. Coucou le mouton. Là, voilà, il y a une faille énorme. Putain, elle est bien stylée cette faille, disons. Il y a des vaches, tiens, j'ai vu tuer les vaches, j'ai faim. Oh là. Yo! Ça va bien. Oh non, il me met en feu là, enfoiré. Voilà, c'est bon. Eh oh, vous là. Je vais en laisser deux quand même pour faire un petit champ. Là, il y en a deux. Ok, bah je vais pas les tuer. Je vais les laisser là pour pouvoir. Oh, mais elle a looté 3 steaks, donc c'est nickel. Je vais les laisser là pour qu'on puisse les faire reproduire. Alors, est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on. Oula! Oh, je me casse. Eh oh. Putain, j'ai failli tomber dans le vide. Mais c'est pas grave, on perd pas le stuff. Mais bon, il y a le creeper. J'ai pas envie qu'il casse tout. J'ai vu, j'avais ramassé un arc aussi. Donc, il faut que j'utilise. Je voulais voir du coup si on pouvait rentrer là-dedans. T'as le cochon, par contre, toi. Toi, tu vas faire mon bouffer. Oh là, oh, il a looté qu'un seul steak, quoi. Ouais, oh, il court vite. Il y a pas un creeper qui me suit, non? Il est où? Oh, et oh, armure en lapis. Parce qu'on peut faire des armures de tout, hein. Absolument tout et n'importe quoi. Oh, il me met cher en plus, c'est. Attendez. T'es le petit qui me suit. Hop, allez, va-t'en. Hop. Allez, meurs, voilà. Allez, loose un peu un truc, non, tu veux pas? Bon, tant pis. Tant pis, c'est quoi ça? J'en veux pas, voilà. Cochon, du coup, tiens, meurs. Voilà. Ouais, on peut pas rentrer dedans, hein. Faut monter là-haut. Bon, au pire, on montera pas tout de suite, on montera plus tard. Je couperais bien ces arbres aussi, ils ont l'air bien sympas là. J'ai pas de hache. C'est quoi comme bois? Sakura Wood. Sakura Leaves. Ouais, c'est un
C'est sympa quand même. Je prendrais bien ces pousses plus tard. Petite faille aussi par là-bas. Bon, il y a plein hein, d'endroits où miner. Donc, ouais. Faudrait que j'aille chercher du bois. Faut chercher masse bois de tout et tout. Là, il y a une grosse forêt. Là. Tiens, j'allais voir là-bas. On en a 1.7.10 au fait. Hein, pour info. Donc voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va se faire une petite maison, genre vite fait. Ici, je vais aller chercher du bois pour construire une maison. Alors, je suis pas un pro en build, hein, ça faut le savoir. Donc, ce que vous allez voir n'est pas spectaculaire. Je vais aller manger la rotten flèche aussi. Tiens, voilà. Hop. Plus tard, ça va être bien, on va pouvoir faire des fours électriques. Comme ça, on n'aura plus besoin de mettre de charbon et tout, on aura juste besoin d'énergie. Donc voilà. Voilà, donc je vais aller chercher des matières premières niveau bois et tout. On va essayer de se faire une petite maison sympa. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Eh bien, mes chers amis, j'ai envie de clore cet épisode ici. Donc, dans le prochain épisode, j'irai chercher du bois, du sable et tout ce qu'il faut pour pouvoir construire la maison. Donc, j'avais pensé à faire une sky base, donc faire une base en l'air et tout. J'ai déjà un peu les plans en tête et tout, je verrai bien ce que ça donnera. Donc, voilà, on se retrouve sur un petit coucher de soleil sympathique. Où est-ce qu'il se couche? Je ne sais pas où est-ce qu'il se couche. Là-bas, je sais pas. Du coup, voilà. On va se laisser là-dessus. Épisode un peu court pour le premier. Dans le prochain épisode, on ira commencer à construire la maison dans les airs. Donc, je vais aller prendre du bois qui est derrière la montagne, qui est derrière moi, là. Attends, je vais en mettre en F1. Voilà, je vais prendre du bois qui est dans cette forêt là-bas, là, sur l'île. Ça, ce bois-là. Voilà. Donc, on va faire une sky base. Un truc sympa. On va essayer de faire un truc cool et tout. On fera des grands espaces pour pouvoir mettre des machines et tout. On va essayer de faire les machines quand même le plus tôt possible. Histoire qu'on se plonge quand même dans le modé assez. Qu'on soit assez proche du mode modé et qu'on soit pas trop longtemps dans le mode vanilla. Voilà, donc on a bien miné. Je pense qu'on va être tranquille pour un petit moment pour faire au moins une première machine. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez liké la vidéo. Donc cette série-là, je vous promets que je vais essayer de la faire durer le plus longtemps possible. Normalement, ça devrait durer longtemps parce que si je me lasse, je pourrais toujours continuer à ajouter des mods. Donc là, voilà, il y aura toujours quelque chose à faire comparé au mode Vanilla. Donc la raison pourquoi j'ai arrêté la survie sur le serveur, sur la série survie, c'est bien parce que voilà, j'avais fait le tour de tout ce que je voulais faire. Puis faire tout le temps les usines, c'est chiant. Moi, je sais pas faire grand chose d'autre. Donc là, voilà, je suis dans le milieu que j'aime, faire des usines, faire des constructions pas trop compliquées, faire des salles, des bas de caves et tout. Ça me plaît, ça j'adore, ça j'aime bien. Donc voilà, eh bien donc j'ai dit tout ce que je voulais dire. C'était Fanny's Gaming. Merci encore pour ces 600 abonnés. Salut, à plus!